Elle peut encore monter cet escalier. Oula, oh non, c'est les... C'est les mecs balèzes, là. C'est gros errant. C'est l'armure de ouf. Ça fait du bien. C'est chaud. Hein. Ok. Mettez sa garde. Faut que je fasse qu'un seul petit coup. Un seul petit coup et après j'enchaîne avec du gros. Ah, il est chaud. Ah, besoin de heal ici. Merde. Ça fait mal. Allez, dommage. Dommage sur le côté. Oh, tellement chaud. Les platines. J'espère que ça vaut son pesant d'or. Et maintenant, les petits nuls. Nice. Juste revérifier qu'il n'y a pas un coffre là-bas. Je suis pas sûr de pas avoir oublié un truc. Non, c'est bon. Ok. En vérité, les chemins sont simples, mais... C'est le fait qu'il y ait de la verticalité qui me fuck le cerveau. Des autres mecs de la mort. Voilà, on est sur les remparts. Hein. Okay, il résiste. Il résiste, mais il est pas très fort, donc ça va. Et il poste pas. Nice. Aussi, on a un coffre, comme dit, comme d'habitude, hein. Coffre avec des clés. Coffre qu'on peut pas ouvrir. Il doit y avoir un truc hein, pour les ouvrir ces coffres, mais je pense qu'on va faire tout le jeu sans en ouvrir un seul. Mais visiblement, on passe ce truc-là. S'il faut des clés, je ne sais pas encore les crafter. Ça se trouve, c'est une spécialité. Il y a une vieille quête. Qui me donne un truc genre crochetage. Thèse antithèse synthèse, non. Recueil aviaire, l'appel de l'ocarina. Mélange et mixture. Non, bah non, dans les quêtes que j'ai occupées, y'a rien qui fasse penser à du crochetage ou des trucs comme ça quoi. Aucune idée. Carte explosion, glyphe orbe azur numéro 3. Toujours plus. Impact arctique. Un énorme pilier de glace englobe les ennemis et se brise. Mental des ennemis réduit temporairement. Marteau de terra, d'énormes rochers tombent sur la cible. La défense des ennemis touchés est temporairement réduite. Alors, à la place de la boule de feu, je pense qu'on va prendre le marteau de terra. C'est une belle amélioration. Ça peut aveugler. Ça propulse en l'air. Ouais, c'est comme ça. D'autres émissaires de la mort. Les horreurs maudites. Ah,
Le petit chevalier au milieu. Hein. Nice. Si nous avons accès, un point de sauvegarde. Merveilleux. Tout ce qu'on vient de faire, c'est fait. C'est gagné. Au final, je sais même pas où aller hein, sur cette carte parce que. Si, sans doute, là où il y a le soin. En bas. Sans doute là-bas. En bas à gauche. Donc là, je fais le grand tour, en vérité. Un coffre. Amulette anti-malédiction. Je sais pas ce que la malédiction fait, mais c'est peut-être pas mal. Malédiction. Un place d'attaque plus 5, peut-être. Un truc flat assez dégueulasse quoi. Et vu qu'on a des horreurs maudites contre nous, je me dis bon. C'est peut-être de bonne aloi. Utiliser ce genre d'accoutrement. Excellent. Alors là ça monte ou ça descend, je ne sais pas. Je sais pas s'il faut descendre ou monter. Montons. Parce qu'à mon avis il va falloir redescendre en vrai. Ok. Le petit Gepure. Ah, fallait pas bosser à cet endroit-là, hein, clairement. C'était un mauvais plan. Petit bâtard. Petit bâtard de chevalier. Glyphe féerique numéro 2. Compétence, améliorer les compétences. Lumière féerique, restaure les PV de tous les coéquipiers. Pas mal ça. Et elle peut pas l'utiliser. Incroyable. Première fois qu'il y a un glyphe que. Un seul de mes. Des mages peut utiliser. Peut-être que pour utiliser un numéro 2, il faudra déjà utiliser un numéro 1 sur quelqu'un. Pas sûr de ce que j'avance. Hein. Pour expliquer. Nice. Ah, il s'en prend plein la tête. Oh, bonne vie là. Moins de la moitié de sa vie. Oh, wow. Fin d'une génération. Bon, peut-être que j'aurais dû redescendre pour avoir tous les cas. En tout cas, ça m'a l'air quand même très long pour un faux chemin. Ta vie. On va peut-être louper des trucs super bien. Ah, et voilà, ça me mène en bas. Ah, j'aurais dû descendre, ouais.
Est-ce qu'on descend? C'est long, mais... Avec un peu de chance, tout le monde n'a pas respawn. Et puis, j'aurais peut-être un coffre. Non mais ils ont déjà respawn. C'est mort. C'est mort, ils ont déjà respawn. Je les déteste. Bon, on va dire qu'on a loupé 3 glyphes, hein. C'est terrible. Alors, s'ils n'avaient pas déjà respawn, j'aurais continué, mais... Un ou deux combats, je veux bien, mais là... On va faire toute la tour. C'est bien compliqué, quoi. Bon, attention à eux, parce que c'est des héros errants. Ils sont super... chauds. Oh, mais il fait trop mal, là. Je déteste. Oh, le petit, là. C'est bien. Allez, lui ça va, faut rester derrière. Aïe, j'ai très mal. Oh, c'est le bordel. Ah, j'y crois. J'aurais dû utiliser mon ulti parce qu'il est niveau 1, il est redevenu dégueulasse. C'est dommage. Je vais faire des petits coups. Des petits coups quand il s'énerve. Allez, un petit coup de sauge sur Anne. Ok, un moins. Aïe. Emerson. Bordel, Emerson. Mickey, il faut faire des soins. Ah, Mickey est morte. Très bien. On est bien. La vache. J'ai tout vu. C'est interdit, ça. Aïe. D'accord. Je le vis bien. Ah, mais ils sont vraiment chauds. Il faut jouer correctement. D'habitude, moi. Ah bon. Ok. On l'a eu. Petit coup de sauge. Bon, un rôle. Ah, ils sont chauds, hein. Ah mais Victor, au final, ça a pas utilisé ma sauge. J'ai utilisé trop tard. Je peux utiliser ma compétence, du coup. Reviviscence. Voilà. Chaud du steak. Ça, c'est parce qu'on n'a pas pris tous les coffres de la tour. Ce tour était plus simple sinon. Bon, la question est, est-ce qu'on fait tout le tour avant d'aller au point où il faut aller? Je pense qu'on va au point où il faut aller et puis on fait tout le tour après. On est sûr d'être tranquille. Enfin, on est pas trop sûr, non, parce que peut-être que l'histoire va nous demander de quitter les lieux, mais... Mais au moins, on fait pas des allers-retours, quoi. Après, ce chemin-là est plutôt court. Mais je pense que ça ira. Au pire, on va peut-être se dépêcher, mais ils vont pas faire que tout le lieu va s'écrouler, là. On y croit. J'aime pas beaucoup le fait qu'il m'a enlevé Mickey du groupe. Ouais.
Si je peux me permettre un conseil. Conseil purement stratégique, hein. Chaque fois que vous avez des arbres à étrier et vous êtes en haut des remparts, n'allez pas au milieu de l'arène. Ça sert à rien. Vous pouvez tirer d'en haut. Hein. C'est des fusillés, mais de cac. C'est au droit. Hein. Bon, on a pas Niki, mais Fior a un petit sort de soin amélioré. Hein. en prévision de ces moments-là, bien sûr. Ah, petit bâtard. Allez, écoute, on tient le coup. Ah, Mickey est revenu. Excellent. Avec Relia en plus. Ah, tout le monde est là. J'adore. Ça, c'est un truc qu'ils ont récupéré aussi. C'était dynamique en mode paf, les gens arrivent. Même si t'as pas suivi exactement ce qui se passe, t'es content quand ça arrive. Taïjobi. Bâtard là-haut. C'est pas vrai. Il nous refait exactement le même coup qu'avant. Faites un peu attention, quoi, merde. Bon, sauf que là, c'était un coup de blaster. Mais il s'est passé exactement la même chose quand Aurélia s'est fait kidnapper, il me semble, non? Il s'est pris un vieux coup en la protégeant d'une boule de feu. C'est dément. Alors cette fois, c'est peut-être le coup de trop. Emma Sosa, Miki no toki mitai ni naosemasenka? Dose! Ima, wareware ni wa fune ga nai ndesu. お父さん。守れ。僕の代わりにリリアを守って。ごめん。父さん。ごめん。フィデルに。違う。こういう時は。 Rélia, elle comprend rien à ce qui se passe, mais elle est en mode ok. Victor, on le voit pas, mais. On tirait Daryl, j'avais pas vu qu'il était dans l'équipe. Daryl. Victor, on l'a pas vu, mais. À mon avis, il a bouffé ses deux mains. Hein. Ah, on nous a TP. Bon bah, tant pis pour les autres coffres. De toute façon, des quêtes vont nous demander. Elle est là-bas à tous les coups pour tuer trois mecs. En effet, nous n'avons plus de groupe. Ah, c'était jouable, pardon. Très bien, j'ai pris mon temps. Ouais, il a besoin de se défouler là, je pense. Hein.